bien salut à tous et bienvenue mes chers amis gamers et gameuses, c'est Mifam24, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, j'espère surtout les amis que vous pétez la forme. Et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la série de Minecraft dans le style RPG. Avant de commencer quoi que ce soit les amis, je tenais à vous remercier du fond du cœur de votre encouragement, de votre soutien sur ma chaîne YouTube, cela me fait extrêmement plaisir. Alors les amis, si vous voulez me soutenir et m'aider à augmenter l'algorithme de ma chaîne YouTube, qu'est-ce que c'est que l'algorithme de YouTube, vous allez me dire? Eh bien c'est très simple, quand vous êtes sur votre YouTubeur préféré et que vous regardez sa vidéo, parfois sur la droite vous voyez des vidéos de recommandations. Eh bien c'est l'algorithme de YouTube, c'est cela que ça fonctionne. En gros les amis, pour augmenter l'algorithme de ma chaîne YouTube, il suffit de mettre le petit pouce bleu de la famille, également de commenter, de partager cette vidéo au maximum, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment activer la petite cloche, c'est ce qui vous permet d'avoir une notification en temps réel lorsque je poste une vidéo sur ma chaîne YouTube ou lorsque je suis en live. Et ensuite les amis, si vous voulez vraiment continuer à me suivre, les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo, je n'arrive même plus à en parler mais tout va bien se passer, notamment Discord, c'est là où je suis très actif, c'est là où je vous donne pas mal d'informations sur ma vie IRL et notamment sur les projets de ma chaîne YouTube et tout ce qui va avec. Et également, si vous avez envie de parler avec moi par écrit ou en vocal sur Discord, eh bien, vous le pouvez. Et sur ce, les amis, c'est parti, let's go. Nous allons tout simplement continuer la suite de cette aventure. Donc, les amis, je pense que vous l'avez tous remarqué. Oh là, non. Je pense que vous l'avez tous remarqué ces derniers temps, il y a pas mal de petits soucis, notamment ces derniers temps, j'arrête pas de mourir. Et oui, je pense que vous l'avez tous remarqué ces derniers temps, je meurs énormément. Donc là maintenant, je vais devoir faire extrêmement attention parce que j'arrête pas de perdre mon XP et ça devient très embêtant. On est level 8 alors, au niveau de l'XP, mais sinon au niveau du skill, on est niveau 27, on a 112 d'XP sur 122, donc il ne nous reste pas grand chose pour avoir le prochain level, qui est donc le level 28. On va devoir le mettre sur autre chose maintenant, parce que là, on va devoir quand même avancer un petit peu, hein, parce que sinon, on va être vraiment dans la galère. Donc, les amis, c'est très simple, on va déjà devoir se défendre face aux hordes de monstres qu'on va croiser dans Minecraft, et pour ça, on va devoir construire un petit mur. Un petit mur de la famille, parce que sinon, ça va être véritablement la galère. Alors, ce que nous allons faire, les amis, déjà, c'est qu'on va prendre de la pierre. Déjà, c'est l'étape la plus importante. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, les amis, ce que nous allons également faire... Alors, déjà, je vais ranger le bois. Voilà, comme ça, c'est fait. Toi, tu vas te mettre ici. On va ranger ça. Comme ça, c'est fait. On va ranger ça également. Qu'est-ce que je n'ai pas besoin? Je n'ai pas besoin des flèches pour l'instant. Le sable, j'en ai pas besoin, les amis. N'oubliez pas. Ah oui, il faut pas oublier, les amis, que le sable, je vais en avoir besoin pour. Comment dirais-je? Pour faire de la canne à sucre. Voilà, je vais y arriver, hein, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer, ok. Donc, on va se faire les haches. Donc, les haches, on va s'en faire au moins 5, comme ça on sera tranquille. Pépère à la bien cousine, comme on dit. Alors, les haches, on va les poser comme ceci. Comme ça, on est tranquille. On sera pas embêté, je vais garder quand même... non, on s'en fiche un petit peu de ça. Allez, hop, je le balance, ça fait plaisir. On peut se le permettre maintenant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai, les amis? J'ai de la nourriture, donc c'est très bien. J'ai également une petite épée. Et puis, voilà, voilà. Donc là, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on va aller farmer du bois. Donc, les amis, je sais qu'il y a un moyen de protection qui s'appelle Sté machin. Vous savez, c'est le petit pic qu'on croise dans les grottes. Je crois que c'est un moyen de défense également. Je pense que si on tombe dessus, ça doit piquer un petit peu. Donc on va peut-être devoir le farmer également. Mais je sais pas si ça, si ça repousse automatiquement ou pas. Ça, je suis curieux de le savoir. Dites-le moi par commentaire, honnêtement je sais vraiment pas. Alors ma hache vient de se casser, heureusement que j'ai tout prévu. Je m'en doutais un petit peu, mais je commence un petit peu à avoir l'habitude. Hop, voilà comme ceci. Ah mais regardez les amis, il y a ce fameux petit machin là. Alors attendez, comment ça marche? Non. Oh! De la sape! Qu'est-ce qu'on fait avec de la sape, les amis? De la sape. Oui. La sape, voilà. On fait de la marche... Ah, des marshmallows! Hein? Mais
Bah, beaucoup plus rapide que ça, mais pas besoin de faire de... Mais pourquoi tu veux que ça soit si difficile? Dis-le-moi comme ça, c'est plus rapide. Marshmallow, moi, j'ai compris direct, le truc du camping, tu mets ton feu de camp et tu fais des marshmallows. Bon, écoutez, mais c'est très bien, on pourra faire des marshmallows avec ça. Bon, là, pour l'instant, ça sort tout le monde à rien, mais c'est bon à savoir, allez, ça fait plaisir. Allez, sur ce, les amis, on va ramasser beaucoup de bois parce qu'on va en avoir besoin, comme je vous ai dit. Il va falloir qu'on construise quand même une sorte de petite protection. Parce que là, on va en avoir vraiment besoin, parce que sinon, ça va être vraiment compliqué. On va également, hop, là, ramasser tout ça. Donc là, on va se faire plaisir, hein, on casse tout. On se fait plaisir. Désolé pour la nature, mais la nature, là, elle a besoin de prendre un sale coup. Parce que on va devoir se protéger, les amis. Donc on va tout casser. Alors ça va très vite, hein. Oui, ça casse très vite, Mifa, les arbres, etc. Oui, mais regardez ma hache. Ma hache, elle est cassée aussi. Et bien, ça fait partie du mode, bien évidemment, sinon ça serait trop simple. Vous imaginez, genre, vous utilisez la hache normalement et ça prend pas de dégâts. Ça, c'est trop cheaté, ça. Hop, on va ramasser ça tranquillement. Tac, 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 tac. Alors, les pommes, c'est très important. Je vous rappelle qu'il va falloir faire des pommes d'or et tout, en cas que ça se passe mal. Parce que je pense que vous l'avez compris, hein, l'aventure, elle est pas si en mode... on n'est pas en mode facile, hein. On est plus en mode quand même difficile, voire très difficile. Vu qu'on a que 7 cœurs, et les 7 cœurs, je vous rappelle que ça part très vite. Quand on se prend un coup, ça fait mal, hein. Là, c'est qu'à le dire, hein. Ça fait mal, ça fait mal. Ouais, mais là, c'est pas la chanson, là. Hein, d'accord. Là, c'est vraiment le cas. C'était qui chantait ça? C'était La Fouine, non? Je crois que c'était La Fouine à l'époque, les amis. Je sais plus. Ça fait mal, ça fait mal. Ouais, c'est La Fouine, info sûre. Mais là, là, non, là, c'est pas que ça fait mal, ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très, très, très mal. Donc aujourd'hui, les amis, j'ai pas mis la webcam. Vous me direz ce que vous en pensez un petit peu. Ça va changer un petit peu, je pense, les amis. Je mettrai pas la webcam pour ça. Je pense que je mettrai la webcam pour d'autres projets, mais pas pour ça, je pense. On va changer un petit peu. Vous me dites par commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez vraiment que je remette la webcam, je la remettrai, mais voilà. Bon, là, tout se casse, mais c'est pas grave. On continue. Alors, ce qu'on va se faire pour gagner de la place, c'est transformer les petites branches en bâtons. Comme ça, ça sera fait également. Là, nous avons ceci. Tac, tac, tac. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Tac, tac. Je vais prendre quand même mon bouclier sur moi parce qu'on sait jamais avec la chance que j'ai. Pierre Richard, c'est moi, les amis. Hein. Et ceux qui me suivent depuis le début, que ça soit en stream et tout, vous savez tous très bien que moi et le karma, des fois, ça fait deux. Hein. Et quand vous voyez déjà les précédents épisodes, les amis, je pense qu'honnêtement, on l'a tous vu. On l'a tous vu, clairement. Le karma n'est clairement pas avec moi. Vu le nombre de fois que je suis mort, ouais, je vais dire que forcément, oui, effectivement, le karma n'est vraiment pas du tout avec moi. Hein. Là, le karma est plutôt contre moi. Hein. Bon, parce que c'est la première fois que je suis mort autant de fois dans un jeu. Je vous le dis honnêtement. C'est très rare que cela m'arrive. Alors je vais appuyer ça pour vous les amis, parce que sinon vous allez rien voir. Si j'ai mis ce mode, c'est pour vous, c'est pas pour moi honnêtement. Parce que si ça serait que moi, honnêtement, je préfère sans la lumière. Je préfère être vraiment dans un côté immersif du jeu. Mais là, vu que c'est pour vous les amis, je vous mets quand même la lumière. Parce que certains d'entre vous me disent à chaque fois, Mifa, on voit rien, etc. Là j'ai pensé à vous, j'ai dit, ok Mifa, vous voyez rien. Mais Mifa, il va vous mettre de la lumière. Mifa, c'est le dieu tout puissant sur Minecraft. Ben oui, c'est reconnu, les amis. Allez, on ramasse un maximum de bois. On va se faire un beau petit mur, histoire de se protéger. Et comme ça, on sera tranquille. Hop, allez, on ramasse tout ça. C'est un carnage. Hein. Je suis en train de... Ah ouais, non, mais là, c'est... c'est un désastre, là. Je suis en train de tout casser, là. Je suis en train de tout casser, les amis, là. Regardez ça. Regardez ça. Allez hop, on ramasse tout ça. Hop, allez. Tout ça, c'est à moi. Ah, j'ai vendu. Pas de jaloux. Tout ça, c'est à moi. Ok. Oh, toi, je t'ai vu, toi. Alors, toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Donne-moi ça. Ok. Est-ce qu'on profiterait pas, les amis, pour ce fight contre les monstres? Regarde quand même derrière moi. Voilà, merci.
J'ai pris quelques dégâts. On va manger un petit peu. Juste pour régénérer ma santé. Voilà. Allez, donnez-moi ça. Donnez. Viens à la maison si t'as envie de se fight. Laisse-moi tranquille, ok? Donc les amis, on est niveau 9. Alors, niveau 9, niveau XP, je vous rappelle. Mais n'oubliez pas qu'il y a niveau XP et niveau skill. Niveau skill, on est niveau 28, les amis. On vient de le passer actuellement. Et là, maintenant, on va devoir regarder ce que nous pouvons faire. Alors, moi, honnêtement, je me pose la question, qu'est-ce qu'on va mettre? Honnêtement, je me pose vraiment la question. Je ne sais pas du tout. Mais je ne sais vraiment pas. Il va peut-être falloir qu'on regarde ça. Hein. Alors là, ce qu'on va faire, à la limite, c'est ceci. Tac. Il y a trop de choses là autour de chez moi. Si les vaches, il y a trop de choses, je vous dis. C'est pas... Moi, je te dis si... Ok. Si je te dis si, c'est si. Ok. Donc là, ça sera une sorte d'entrée pour entrer chez moi. Hein. Ok, je pense que vous l'avez compris. On va faire ceci. Oui, bonsoir. Il y a un problème, monsieur? La taxe, elle est où, là? C'est chez moi, ici. Tu crois que c'est gratuit? Non, mais dis donc. C'est coquin. Hein. Alors. On va passer tout ça. Tac, tac. Parce que sinon, si on casse pas ça, les amis, vous avez vu, ça pose le morceau de bois en travers. Donc c'est un petit peu... c'est même fort embêtant. Y a un zombie qui te pousse derrière toi, je crois. Hein. Ouais. Je dis ça, je dis rien, hein, mais je te le dis quand même, quoi. Non, parce que à un moment donné, je vais bien être gentil, mais il y a des limites. Hein. Ok? Donc toi, déjà, tu vas me laisser tranquille. Parce que moi, je t'ai rien fait, honnêtement. D'accord? Entre toi et moi, je t'ai rien fait. Donc à un moment donné, tu vois, je balance même mon épée, parce que moi, je commence à en avoir marre. Hein. C'est injuste. Hein. Vraiment, c'est vraiment injuste. Hein. Moi, je t'ai rien fait, hein, Jackie. Alors, attends, parce que... Ça, c'est encore un petit peu embêtant, mais il va falloir que je le fasse. Ça va se permettre d'économiser des bâtons, j'ai envie de te dire. Voilà, on ramasse tout ça. C'est bon? J'ai tout ramassé. Il y a une petite graine ici, ça fait plaisir. Donc là, on va faire un petit truc comme ça. Petit truc comme ça. Hop, on va faire ça, ça. Alors attends, ça va me gêner. Tac, tac. Vous avez vu comme c'est chiant des fois l'herbe. Ah, c'est chiant. Hein. Moi, je vous le dis des fois que c'est chiant. Hein. Hop. On va faire un petit truc comme ça, là. On va se faire un petit truc bien. Alors, attends. À la limite, si je veux faire un truc bien, quand même, on va donner une petite forme. Bon, c'est un peu spartiate, hein. C'est... vous attendez pas vraiment à un truc de dingue, hein, ok? C'est un truc spartiate. Me casse pas, s'il te plaît, mon truc. Sois gentil avec moi, s'il te plaît. Ok. Voilà, ça au moins c'est fait. Tu m'embêteras plus. Ah non, parce qu'à un moment donné, je veux bien être gentil, mais il y a quand même des limites hein, à ne pas dépasser avec moi. Hein. Bah oui, attends, à un moment donné, je veux bien être gentil, mais bon, il faut me laisser tranquille quoi. Bon, sur ce, les amis, on va continuer.
pas le choix. Voilà. j'ai fait un demi-tour, mais c'est vrai, y a pas d'oiseau, je suis vraiment bête, les amis. Je t'ai fait un. Qu'est-ce qui se passe? Petit coup de panique, Mifa? Non, je panique pas, moi, mais non, mais pas du tout. Ah, si, j'avoue, j'ai paniqué un petit peu. Non, mais attends, j'étais pas prêt là. J'étais en train de poser tranquillement mes petits trucs là et j'entends ça quoi. Hop là. Ça prend un peu plus en hauteur. Bah oui, c'est ce qui me paraît un petit peu normal, j'ai envie de te dire, Jackie. Tac. Dernier petit bloc. Comme ça, comme ça, comme ça. Allez, là, il faut faire pareil. La construction, ça va revenir hein, à force. C'est vrai que j'ai perdu vraiment la main. Oh, avant, j'étais deux fois plus rapide que ça, les amis. Là, j'ai l'impression d'être super lent. Hein. Là, je me reconnais pas. Hein. Vous voyez, là, déjà, ça commence à bien prendre forme. Du coup, il faut que j'aille là-bas. Ouais, mais là, de toute façon, on n'a plus assez de... De barrière, je vais y arriver de barrière. Qu'est-ce qui t'arrive, Mifa? Bah rien, c'est juste que je trouvais pas le mot. Tout va bien se passer? Oui, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas pour moi l'ami, tout va très bien se passer l'ami. Allez, hop. Aïcha. Hop là. Hop là. Hop, 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 hop. Ok. Allez, c'est bon. C'était pas voulu, mais on va dire que c'est voulu, d'accord? Chut, dites rien. Ok, là, on a régénéré un petit peu de la santé, parce que là, je vous avoue qu'on n'était pas bien. Alors, on va faire comme ceci, ça comme ça, ça comme ça. Le mieux, c'est que je prenne un stack de 64, c'est beaucoup plus rapide. On va faire comme ça. Ah, j'avais déjà un stack de 64, j'avais pas fait attention, les amis. Je suis vraiment... bête. Vous pouvez le dire, je suis bête. Je suis bête, je vous l'autorise. Dites, Mifa, tu es bête. Oui, merci, je sais. Ok, je sais, merci bien. Pardon? Tu es chez moi? Non, parce que là, tu devrais pas être chez moi, d'accord? C'est... Non, là, je suis pas d'accord.
Il devrait pas être chez moi, hein. Bon. Cherche pas. Il veut pas escalader. Bon. On va prendre la solution la plus simple possible. Ah, je sais où tu es. T'es dans la grotte, là. Eh oui, eh. Pardi, tu crois que j'ai pas compris? Ah, ça s'est cassé. C'est sûr qu'il était dans la grotte. Attendez, j'ai une idée derrière la tête. On va rattraper ça comme ça. Hop, hop. Hop. Ah, ça veut pas. Ça veut pas! Attends. Ouh! Ok. Tu veux te fight? Tiens, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tout le monde là! Venez ici là! Viens, viens, viens ici là, ça va prendre une petite photo comme ça là. Viens, viens, viens. Allez! Petite photo. Salut! Attends, la touche est un peu loin. Bon, on va prendre comme ça. Attends. Voilà. Il passe à côté, t'es trop fêté. J'ai été tué. Je prends une petite photo, c'est mon petit trophée. Moi, au moins, je tue pas les animaux pour prendre un petit trophée à côté des animaux. Je préfère tuer des monstres. Hashtag. On va rien dire. Sinon, je vais être méchant. Bonsoir, monsieur le creeper. Alors là, vous venez de rentrer chez moi. Donc, je me présente, je m'appelle Mifa. Et aujourd'hui, je vais vous tuer. Alors là, tout le monde doit se dire, oh, j'espère qu'il va se... il va exploser. Hein, je vous vois pas, bande de petits filous. Vous voulez qu'il explose sur mon terrain, hein? Dites-le. Bande de petits coquins. Non mais dis donc, t'as cru vraiment qu'il allait mourir chez moi? Bon, là, il n'y a qu'une solution, les amis. Je vois pas d'autre solution à part ceci. Voilà. On va faire pareil. Sinon, on peut pas monter. Voilà, maintenant on peut monter. Alors les amis, je pense que... c'est pas possible. J'ai tenté, hein. J'ai tenté. Oh. Allez, on retente. Ah. Non, mais il y a eu un bug. Ça a lagué. Même si je suis en partie solo, les amis. Hop là. Non, mais c'est pas possible, de toute façon. Logiquement, c'est impossible, les amis. On est d'accord? C'est pour ça en fait que je me prends la tête pour rien là, non? Voilà. 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 J'ai intérêt de faire attention parce qu'il y a quand même des squelettes. Là les amis, on est sur 2 de hauteur, oui. Bonsoir. Tu te sens bête, hein? Tu peux pas me tuer là, hein? Il y a quand même un squelette sur ma gauche. Hein. Et un creeper. Ok. Allez! On est bien là! Hé hey. Et regardez ça! Hé hey. Là, on a l'abri là! Là, on est bien! On est bien ou on n'est pas bien? On est bien les amis, hein? Allez, on pose. Eh, hey, regardez. Hop. Quelques petites torches par-ci par-là. Hop là. Tiens, coup de poing. Là, j'ai peur de rien maintenant, là. Viens ici, viens ici. Viens ici, viens ici. Ah, je t'ai eu. Allez, hop. C'est bon, là, je me sens puissant, là. Je me sens puissant, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Laisse-moi manger ma pomme! Wouhou! Je peux pas m'avoir! Eh ouais! La protection là! Il y en a dans la cabèche ou il y en a pas là? Combien? Un de hauteur. Ok. Là par contre il peut me toucher. Oups là! Je le sais que t'aurais pu, petit coquin, va. Allez, laisse-moi tranquille, je travaille. Il y en a qui travaillent, il y en a qui veulent me tuer, tu vois, mais moi je travaille. Donc laisse-moi tranquille.
Après, il veut poser mon bouclier. Enfin, pas poser le bouclier, mais il veut... Il veut absolument mettre en position de garde. Alors, je lui demande pas de se mettre en position de garde. Mais pourquoi il se met en position de garde? Telle est la question, non? Allez, ça c'est bon. Hop! Oui? Tu veux faire la statue, c'est ça? La statue du creeper, on va t'appeler. Allez, laisse-moi tranquille. Voilà. Salut! Eh ben non! Eh ben non! Tu ne passeras pas! Non, tu t'en vas de chez moi. Interdiction. Interdiction de venir chez moi. Hop là. T'as cru, hein? T'as cru, moi aussi j'ai cru. Mais non, tu ne passeras pas. Allez, on va continuer les amis. Attention parce qu'il peut me toucher. Hein. The Walking Dead. Là c'est un peu ça là. Ils veulent ma peau, hein, info sûre. Mais ils mourront pas, pas cette fois, je suis tranquille. C'est dommage, il me manque pas beaucoup de bons. Hein. On va laisser comme ça. On va aller chercher du bois. Devant eux. J'ai plus de respect maintenant. Et là, tout le monde va dire « Mifa, fais attention, le karma !» Quel karma? Le karma, moi, je le prends, je le retourne maintenant. J'ai pris trop la confiance, là. Vous allez voir. Je vais avoir un coup de... Vilain. Vous allez voir, le karma, il va se retourner contre moi d'un coup. Je vais rien comprendre. Ça me fait penser que... Ah bah si c'est bon, il me reste une hache. Et ça c'est de la chance ça. Et ça franchement, c'est de la chance, info sûre. C'était même pas calculé hein. Il fait son tour de ronde lui. Il est en mode qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis là l'ami. Voilà ce qui se passe mon gars. Allez maintenant on y va là. Donne-moi ça. J'ai l'impression que je me lâche un peu plus sur la caméra quand même. Parce que des fois, c'est vrai que quand je mets la webcam, les amis, je me dis... Je suis sûr qu'ils vont m'analyser et vont regarder la tête que je fais quand je fais les clips. Ça se trouve, c'est ce qui m'empêche des fois de bien rigoler correctement. Ça se trouve, hein, qui sait. Non, vous mourrez pas. Ouh. Loupé. Tu peux recharger mon ami, tu m'auras jamais. Allez, c'est parti. Mais... Oh, je sais pas si je dois mettre un de plus en hauteur. Je sais pas les amis, ça fait bizarre, non? Qu'est-ce que tu fais chez moi, toi? J'ai fait exprès de donner le dernier coup. T'es un lâche. Oui, j'en suis fier. Bon, là, logiquement, je devrais avoir assez. Allez, c'est parti, les amis. On finit ceci tranquillement. Tac. Alors maintenant, alors que je fasse comme ça. Hop. Ah. Tac. Mais pause. Voilà, merci. Voilà. Bah, c'est parfait. C'est juste là-bas, en fait. Ouais, ça fait bizarre. Il faut que je le fasse. Hop là. Ouais, il faut que je le fasse, obligé. Vous avez vu, sinon ça fait bizarre. Hein.
Ouais, je suis obligé, les amis. On va mettre de hauteur ici. J'en étais sûr. Voilà. Là, on va voir plus tard ce qu'on fera. Mais déjà, c'est bien comme ça. Ok. Alors, maintenant, on va devoir faire des portes. Est-ce que j'aurai assez avec ça? Parce que logiquement, ça en fait 3. On est d'accord. Et là, ça en fait 6. J'en aurais pas assez. C'est même sûr. Ouais, j'en aurais pas assez. Je me demande s'il en reste pas chez moi des portes. Je crois qu'il va m'en manquer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que il y a une entrée là, une entrée là. Il n'y en avait pas une autre? Ah bah non, il me reste que deux entrées à faire. Bah attendez, je vais regarder quand même si je les ai pas chez moi. Je sais que j'avais. Je déclenche de sapin au pire des cas, mais. J'avais pas des portes en trop quelque part? Ah! Non. Non plus. Non plus. Bon, bah j'ai cru. Bon, bah écoutez. Ça arrive, hein? Ça arrive, c'est bon. Eh! Rigolez pas, hein? Ça arrive. Voilà. 6. Parfait! Allez, on peut descendre. Hop. Alors, on a dit de l'autre côté. Hop, hop, hop. Hop là. Voilà. Voilà. Ça. Alors ça, c'était pas voulu, mais je vais aller chercher vite fait quelques morceaux de bois. On va aller là-bas. C'est juste à côté. On va juste essayer de finir au moins sur le dessus. Que ça fasse joli, non? Parce que là, ça va pas le faire, hein. Alors non, pas comme ça, mais comme ça. Remarque, je peux donner un petit style en faisant ça. Je sais pas si ça le fait, honnêtement. Bon, je pense pas, hein, mais ouais, non, honnêtement, pas du tout. On va l'enlever, les amis, pas du tout. Ça le fait pas, mais pas du tout. Du coup, on va l'enlever parce que les choses comme ça qui sont un petit peu moches, moi j'aime pas. Hein. Hop. Voilà. Donc, il faut qu'on aille vers là où il y a toutes les. J'ai failli sauter dans la lave. Vous avez pas vu là? J'étais à deux doigts. Hein. J'ai fait comme ça, tu vois. J'ai fait. Hop là. J'ai fait comme ça après le dernier moment. Ah, peut-être falloir que. Ouais, il va peut-être falloir que je nivelle un petit peu le terrain, quoi. Parce que là, bon. C'est pas que voilà, mais voilà, quoi. Alors, les amis, ne dites jamais voilà. Parce que voilà, ça veut rien dire. Voilà, voilà quoi. Ben voilà. D'accord, ok. Non, honnêtement. Je sais pas pourquoi on dit voilà des fois à la fin de la phrase. C'est peut-être à cause de vous quand vous dites voilà. Et ben maintenant, nous, on dit voilà en français. Voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà. Et quoi, voilà? Ben voilà, quoi. C'est tout, laisse-moi tranquille. Allez, on va chercher maintenant, les amis. Oup là. Wouhou. On va chercher de la terre. La terre, c'est pas ce qui manque. Voilà.
Allez hop! J'ai dit de pas le dire, mais je le dis. Hein. Je crois que c'est un réflexe. J'ai dû prendre un réflexe. Je sais pas. Honnêtement, je me pose la question. Est-ce que vous avez remarqué que je le dis souvent en vidéo ou pas du tout? Je suis curieux, moi. Non, honnêtement, je le dis pas tout le temps, ça, quand même. J'ai beaucoup trop de choses. Tac. Et c'est parti! Je sais qu'avant, quand je commençais sur YouTube, je le disais souvent. Même avec les c'est quand tu sais pas quoi dire, tu sais, t'es en mode I. Je sais qu'avant, j'étais comme ça. Hein. Mais après, c'est avec le temps, tu commences à comprendre que. Bah, c'est à force de parler, plus tu parles dans une vidéo. Et plus tu es à l'aise, donc c'est aussi simple que ça. Puis après, bon, n'oubliez pas, je viens de la vente, donc... enfin, je viens de la vente, j'ai fait des études dans de la vente. Et c'est vrai que quand j'avais commencé YouTube, j'avais fini mes études. Non, j'étais encore dans les études, je crois. J'étais dans les études. Et du coup, ouais, forcément, c'est quelque chose que je parlais encore, quoi. Pour l'instant, on va le laisser comme ça, le terrain. C'est vrai que là, je suis en train de penser que j'aurais peut-être pu monter... Ouais. C'est pas grave. Laissez-moi tranquille. Salut les chiens, je peux plus courir. Et j'ai faim. Yeah. Wouhou. Qu'est-ce qui me manque, les amis? Ah bah de l'eau. C'est du sel. Je peux manger un petit truc là vite fait. Il y a des oranges. Je vais pas m'embêter, hein. Je vais manger des oranges. Ni vu ni connu. Hein. On a rien vu les amis, ok? Voilà. Là je viens de le dire, j'ai fait exprès. Mais au moins, j'ai mangé. Je suis en train de penser que, les amis, il va nous falloir du blé. Mais je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, les amis. Eh bien, écoutez, les amis, sur ce, on va se quitter là-dessus. N'oubliez pas, les amis, très important de lâcher un maximum de pouces bleus, de commenter la vidéo pour dire ce que vous en pensez, de la partager au maximum à vos amis, à la famille, à qui vous voulez. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas, très important, les réseaux sociaux, les liens dans la description de la vidéo. C'est très important, notamment Discord, c'est là où je suis très actif, les amis. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche, sinon ça ne sert strictement à rien, parce que la cloche, ça vous permet d'avoir la notification lorsqu'une vidéo est disponible en temps réel ou lorsque je suis en live. Et également lorsque je poste quelques petits posts dans la communauté de YouTube. Sur ce, les amis, je vous incite à regarder la fin de la vidéo qui s'appelle donc l'outro. L'outro, c'est quoi? C'est une fin de vidéo qui vous permet d'avoir des suggestions, notamment une suggestion sur une vidéo et une suggestion sur la playlist. Moi, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde! This is what I'll be waiting for.